Mon cher monsieur Jacquemont, vous serez sans doute surpris de recevoir une lettre de moi. Je suis le dénommé Pierre de Cubert, 10 place Saint-Vincent de Paul, Crétinier à Waterloo. Pour l'heure où je vous écris, dans une santé parfaite, espérant que ma lettre vous trouvera de même. Je voudrais que vous aurez la bonté de me renseigner et de me faire le plus tôt possible le nécessaire. J'ai un peu d'argent à la caisse d'épargne de Roubaix. Pas que je suis prêt à mourir. Mais comme le malheur est si vite arrivé, je voudrais faire passer cet argent à ma femme, le plus tôt possible s'il y a un moyen. Si c'est pas trop vous gêner, j'espère que vous voudrez bien vous en occuper et donner à ma femme les idées nécessaires afin de lui faire comprendre le cas qu'il pourrait se produire. Que si le malheur arriverait, avec ses 1 000 francs, elle pourrait faire quelque chose pour élever ses enfants. Nous sommes dans le même pays, et environ 4 semaines, face à face à l'ennemi, et passant la majeure partie dans les tranchées. Mais ne dites rien à ma femme à ce sujet. J'espère que nous en verrons bientôt la fin, et j'ai l'espoir de venir vous serrer la main et vous remercier de vive voix. En attendant ce bonheur, je vous présente, monsieur, mes plus sincères respects. Pierre de Cubert, 7e compagnie du 43e de ligne, Bureau central militaire Paris, excusez crayon, pays dévasté.